Bonsoir à tous. Comme vous le savez, c'est le soir de Noël, j'ai donc besoin de volontaires pour assurer l'horaire de nuit. C'est toujours un plaisir de travailler avec ma coéquipière. En uniforme et dans la vie. Comptez aussi sur nous. Oui, quoi de plus agréable que de passer du temps avec mon meilleur ami pour Noël. Je suis volontaire, monsieur. Vous travaillez tous les soirs de Noël, lieutenant Detaine. Vous devriez vous reposer. De plus, vous n'avez pas de coéquipier. Merci, monsieur, mais notre ville aussi a besoin de fêter Noël. Et mon devoir est de faire en sorte que le réveillon se passe bien avec ou sans coéquipier. Très bien. Merci à tous nos volontaires et je souhaite aux autres... un joyeux Noël. Bon, il est presque minuit. Joyeux Noël, coéquipier. Appel à toutes les voitures. Un cambriolage avec effraction est sans doute en cours au 5512 John Street. Ici Detaine, je m'en occupe. Terminé. J'ai l'impression d'essayer de ceinturer un bol de gelée. Je vous tiens. Superbe exploit, Duke. Quoi ? Comment connaissez-vous mon nom ? Tu viens d'arrêter le Père Noël. D'accord. Vous avez le droit de garder le sourire. C'est vraiment moi. Laissez tomber. Cambrioler une maison déguisée en Père Noël, c'est encore plus grave. Les enfants regardent. Les enfants dorment à cette heure-ci. C'est moi, Duke. Désolé, je ne suis pas naïf à ce point. Oh, vraiment ? Cher Père Noël, cette année, s'il vous plaît, je voudrais un nouveau badge, du fil dentaire méga action Cubby le policier et un cadeau super secret que je ne dirai jamais à personne pour le reste de ma vie. Je voudrais un véritable coéquipier comme Cubby le policier avec qui je partagerai toutes mes aventures. Mais c'est exactement la lettre que j'ai écrite au Père Noël l'année dernière. Mais... comment ? Et qu'est-ce que vous faites ici ? J'étais en train de distribuer les cadeaux. Ils ont un toit en bardeaux trop fragile pour mon traîneau. Ce n'est pas dans l'esprit de Noël de dire « voici une belle poupée et un chèque pour les réparations ». Et où est votre traîneau ? Garé dans la rue d'à côté. Pas dans l'île de Noé ! C'est une zone bleue ! Ah ! Oh non ! J'ai encore une livraison ! Je dois déposer cette casquette à hélice 2.0 chez le petit Billy ! Pas de soucis, Père Noël. Je vais vous y emmener. Allez, c'est parti. Oh, 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 c'est vraiment passionnant. J'ai toujours rêvé de monter dans une voiture de police. Je peux allumer la sirène ? Désolé, c'est réservé au cas d'urgence. Oh. À toutes les voitures, Daisy Kaboom Lewis vient d'être signalée à l'usine de crème chantilly du petit Hubert. Terminé. Daisy Kaboom Lewis ? Elle fabrique des explosifs avec trois fois rien. Je vous dépose chez Billy en passant pour qu'il ait son cadeau de Noël. Oh, mais non, voyons. Billy dort pour au moins 7 heures encore. Des gens sont en danger. Ce sont eux que nous devons aider. On met la sirène, Père Noël. Oh, 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 non. Attendez ici, les renforts arrivent. Duke, est-ce qu'un bonhomme à barbe blanche qui vit dans un désert glacé, qui distribue chaque année des jouets à des milliards d'enfants, et qui sait à quel moment vous dormez, n'est pas un renfort suffisant ? Pas faux. Allons-y. Pitié ! Qu'est-ce que vous me voulez ? Je suis le petit Hubert. Vous devriez vous attaquer à Hubert de votre taille. C'est quoi le code du coffre-fort ? Je ne peux pas le dire. J'y conserve les ingrédients secrets de mes crèmes chantilly. L'oxyde d'exploda boum boum, un extrait de vanille au goût puissant. Et la vanille amite, un composant chimique hautement explosif. Que je veux justement utiliser pour sortir mon coéquipier de prison. C'est dans l'esprit de Noël, pas vrai ? Et puis pourquoi faire tout exploser si on ne peut pas partager ça avec quelqu'un qu'on aime ? Va voir ce que c'est. Frankie Lubelli. Il est sur ma liste d'enfants passage depuis l'âge de 8 ans. Bon à savoir, Père Noël. D'autres infos ? Refuse de manger ses brocolis. Il a peur des fantômes et des astronomes. Ouh. Ouh. Je connais plein de choses sur les planètes. Le fantôme d'un astronome ? Frankie, sois sage, ça vaut mieux pour toi. Père Noël ?
Oh. Ah, bien joué, Père Noël. Filons d'ici. Alors, qu'est-ce qu'il fabrique et pourquoi a-t-il crié Père Noël? Trouve la réponse à ces deux questions. Allez vite, donne-moi le code du coffre, sinon je... Sinon vous... Vous quoi? Sinon, elle n'arrivera jamais à ouvrir le coffre. Andouille. Plus un geste, la cisaille. Sans blague. Raté. Comparé à une bataille de boules de neige contre mes lutins, c'est du gâteau. Mais combien de paires de menottes transportes-tu sur toi? 27 paires, toujours. Pourquoi? Pour rien. J'ai rêvé ou c'était... Oui, c'était lui. Guillaume de Taine. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et plus important, quel est le code du coffre? Jamais, je ne vous le dirai. Je suis le petit Hubert. J'ai compris. C'est parce qu'il ne connaît pas le code de son propre coffre. Je parie que le grand Hubert et le moyen Hubert, eux, connaissent les codes de leur coffre dans leurs usines de chantilly. Ha! Ces deux Hubert légèrement plus grands ne font pas la différence entre la vraie chantilly et la garniture blanchâtre et indigeste du géant Hubert. Le code de mon coffre est 1. Oh que non, jamais je ne vous le dirai. 1? Le code du coffre est 1? C'est pas vraiment un code, ça. Non, ça n'en est pas un. Ils sont tous pareils? Comment on distingue les explosifs des trucs délicieux? Ils ne sont pas pareils. La moitié, un petit visage souriant pour ceux qui aiment l'arôme de vanille. Et l'autre moitié, un petit visage au sourire sinistre pour ceux qui aiment faire tout exploser. Comme moi. Allez, sortons-les vite d'ici. Oh, oh, oh! Joyeux Noël, mes amis! Père Noël? Eh oui! Je parie que j'ai dans ce sac quelque chose de bien mieux que tous ces tonneaux. Oh, moi d'abord, moi d'abord! Oh, j'espérais que ce serait un moulin gaufre. Ah, plus un geste, Kaboom! Et un très joyeux Noël! Mettez-vous à l'abri! Un seul faux mouvement et ces tonneaux feront sauter tout l'entrepôt. Merci! Je suis le petit Hubert! Ah. Tchou, Garek, c'est trop dangereux! Reviens, Daisy! Tu peux encore inscrire ton nom sur la liste des enfants sages! Désolé, Duke. Contrairement à toi, j'ai un coéquipier que je n'abandonnerai pas le soir de Noël! C'est étrange. Père Noël, qu'est-ce que vous faites? Ce tonneau peut exploser à tout instant. Je ne vais pas abandonner mon coéquipier le soir de Noël. Pas mal le coup de la casquette à hélice, moi qui croyais qu'elle ne soulevait que de quelques centimètres. Je construis des jouets 364 jours par an. Je suis capable d'en retoucher un. Oh. Vous pouvez le retoucher plus? Oh, oh. Prêt? Prêt, coéquipier. C'est magnifique. Mais comment avez-vous... Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Honnêtement, j'ai même un peu peur. Bon travail, Père Noël. Cher Daisy, désolé de te dire que tu devras passer Noël en prison. Avec mon coéquipier? Oh, tout est bien qui finit bien. Tu viens, Duke? Nous allons chez Billy. Il nous reste juste assez de temps. Merci, Duke. Je ne m'étais plus amusé comme ça depuis bien des siècles. Oui, on a sauvé Noël et la ville. C'est pas mal. Et je vous remercie aussi pour ce beau cadeau de Noël. J'ai eu le meilleur coéquipier du monde. Est-ce qu'on peut recommencer l'année prochaine? Nous verrons. Je plane à des centaines de mètres de hauteur dans un traîneau tiré par des quadrupèdes magiques, mais j'avoue que ta façon de conduire me donne la frousse. Joyeux Noël, mon cher Duke. Joyeux Noël, Père Noël. Ho, ho, ho! Joyeux Noël!